Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 7ème épisode de notre let's play sur Super Mario 3D World sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, nous sommes dans le 4ème monde. La dernière fois on avait terminé le 3ème monde à 100% avec Peach. On avait commencé notre exploration du monde 4. On avait notamment fait les deux premiers niveaux à fond, ainsi que les petits niveaux de barrage d'ennemis et la maison des Libella. Il nous reste plus que 3 niveaux en atteinte Bowser plus une maison secrète, donc autant dire que si on avance plutôt bien, on pourra peut-être voir un Bowser très prochainement. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous pouvez me signaler les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag épique PIC et hashtag fail et fail, plus seulement exact, qu'il va rajouter à la compile. Alors, on va faire bien sûr les niveaux dans l'ordre, on va commencer par le 4-3, bloc, bip et clac. C'est parti. Alors là, ces niveaux-là, ça va être rigolo parce que décalage et tout le bordel. Vous connaissez la différence. Oh, des doubles cerises. Il va falloir qu'on la joue prudent. Ok, il y a 3. Bip, bip. Allez, go. Ok, il va falloir qu'on se sépare. Attends, là, c'est pas mal. On va les rapprocher. Voilà, comme ça c'est pas mal. Bip, bip, bip. Alors attendre que ça revienne sur le rouge. Après on peut tenter une triple attaque. Oh merde, j'en ai perdu un. Ok, y a déjà, je vois déjà une étoile verte là-bas. On va se positionner. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Une pièce. Ok, on a trouvé la première étoile verte. On joue la sécurité. Et là, je sens encore le truc à la con à la fin du jeu. Il va falloir être un certain nombre. Voilà. Ok, on va récupérer une troisième cerise. J'aime, on va récupérer une troisième cerise de Groupama. Ah ah, lol. Merde. Vous sentez le truc, il faudra finir à 4. Comme la feuille du même format. Hop, hop. Bip, bip, bip. Ok. Bip, bip, bip. Ok, alors déjà je prends le checkpoint. Et il faut être à 4 évidemment. Attends. Mais ça se fait tellement ça. J'ai à pas dire, hein, les deux fois où j'ai croisé ce genre de truc, à chaque fois, j'avais pas le nombre et j'ai quand même réussi à choper ce qu'il fallait. Est-ce qu'on doit en déduire que les développeurs n'ont pas pris en compte le gameplay émergent? Ah, moi, là, je dis, la question se pose, non. Alors, attends. Allez, on envoie les 3 Mario. Oh, ça va être fun! Ah, attendez, est-ce que je peux en récupérer une quatrième? Ouais. En fait, je pensais que quatrième, ça va être pour minimiser les pertes là dans la glissade. Attends, 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 attends. Ok. À 4, ça devrait être gérable en théorie. Allez, tout le monde récupère les piécettes. On a d'autres? Non. Étoile numéro 2, excellent. Allez, tout le monde descend. Ok, alors il va falloir qu'on regarde si on voit l'étoile. On va essayer de suivre les pièces, on va partir quand ça arrive. Go! On saute. J'en ai plus que 2. Ok, j'ai les 2 interrupteurs P, c'est ce qui compte. Ok, la dernière étoile est probablement ici. Yes! Ok, donc on a le saut, les 3 étoiles. Parfait. On va essayer de finir à 2 Mario. On finira. Ok, on va finir à un seul Mario, pas de problème. Bip, bip, bip. Et voilà le travail. J'aime bien les niveaux, tu dois te dédoubler, détripler, déquadrupler, démultiplier. Je suis pas sûr que détripler et déquadrupler ça existe étrangement. Mais bon! Les niveaux là, ils sont fun, je trouve. Et on a le tampon double cerise, bien sûr. Le saut double cerise, nom de Zeus, c'est un saut, pas un tampon.
C'est pareil. 90 étoiles. Ok, oh, un niveau avec des spikes. Mais d'abord, moi je vais ici, rebond sur Trampignon. Let's go! Ah Mario, qu'est-ce que t'en dis? Let's go! Voilà. Oh punaise, ces trampignons de leur mort. Maintenant on essaie de voir si on peut spotter une étoile verte. Il y a un truc spécial à faire. Ah non, ça se fait tout seul. Par contre, je peux peut-être influer un petit peu vite fait, mais... Oh, attendez. Oh le coude, nom de Zeus! Alors on va rebondir sur tous ces machins. Oh attends, il y a un truc là-haut. Attends. Merde. Ah bah ça valait le coup, hein! Voilà, pète-y la gueule. Et même pas, tu me files une clochette en rap, toi, espèce de... Ah oui d'accord. C'est bon. Bon alors attends. Y'a quoi si je vais là-dedans? Oh des pièces. Je veux juste péter les iris, moi c'était pas un pont. Ouais c'était pas un pont les iris. Nice, voilà sniper en l'air. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Bon, je pense pas au sommet des arbres, sinon ça se verrait. Je vais reprendre ma clochette. Hop. Voilà, comme ça, on prend ces trucs-là. Le concept, c'est quand même rebondir sur le machin, et moi, je suis là en mode... Nope. Bon, au final, je rebondis quand même un petit peu, mais... Ok, je vois la première étoile. Oh, il ressort. Je sais pas si c'est la première. Yes, c'est la première. Eh, quand même une grosse alcôve, hein, pour... Ah, c'est vrai que ça sert de ressort, en fait. Nice. Le petit rattrapage des familles. Alors, où on va? Déjà, je les tatane. Et je le tatane. Et je le tatane. Et je le tatane Ibrahimovic. Ah non, c'est le Zlatan, pardon. Ok. Fleur de feu. Je vais plutôt faire ça comme ça. Ok, il y a un truc là-haut, mais là. Il y a un truc qui m'intrigue. Attendez. Oh, il y a tellement moyen d'accéder à un truc là. Ouais, il y a une étoile. Boum! Oh, nice. Attends. Alors la fleur de feu au final est là. Oh bon, je m'en bats les couilles frère. Alors là c'est le tampon ou la troisième étoile. La troisième étoile. La 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 la. Ah c'était très la difficulté. Bon, en même temps, on est quand même d'accord pour dire que ce power-up est un tout petit peu pété. Non. Ok, je vois le saut. Il me reste plus qu'à assurer. Regarde, moi je suis un pacifiste, je touche pas les coccinelles. Bon, tu vas voir que celle-là, je vais pas pouvoir m'empêcher de leur rebondir dessus parce qu'elles sont un petit peu sur le chemin. Oh, nice! Je l'ai fait en pacifiste! Je l'ai fait en pacifiste, trop bien! Merde! Attends. J'ai encore moyen d'assurer. Parfait! Niveau fait à 100%. Drapeau doré sur les 3 étoiles. Non mais, on est d'accord que ce power-up, il est flingué. Enfin, il est pété, quoi. Ah, et on a le saut one-up. On est d'accord. Je veux dire, tous les trucs de challenge, je les ai contournés avec la clochette. Allez, direction à la maison mystère. T'as pas qui pensait? Moi qui pensais qu'on allait garder Bowser pour la prochaine fois, en fait on va peut-être se le faire aujourd'hui en vrai.
Enfin, quand même, attends. Une maison mystère à 10 étoiles. Va falloir être précis, rapide et tout le bordel. Bonjour. Alors, c'est parti. Yay! Oh, c'était beau. Allez, let's go. Merde! Ah, en plus, j'ai plus mon... Bon, tant pis, je prends ça. Excellent. Oh, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Allez. Et Spike. Ok, ça nous en fait 4. Bah, je vais tout droit, les gars. 5. Première apparition des Et de 6. Oh, j'ai encore une fois des passages de 64 landes, là. Mais en fait, on est d'accord que 64 landes, c'est littéralement une adaptation Nintendo 64 de ce jeu, avec tout ce qu'il y a dedans. Avec tous les éléments de 3D World qui sont repris. Ah, mais là... Oh, après, il y a des trucs qui sont apparus dans d'anciens Mario, mais tout de même, quoi. 9. Et la dernière, elle est là. Ah, d'accord. Ah ben voilà, ça fait 10 sur 10. Bon, léger petit fail sur le début, mais les 10 étoiles, on les a eues, mais comme ça, quoi. On arrive à 103 étoiles, on a un nombre d'étoiles à 3 chiffres en seulement 7 épisodes. C'est assez oufissime, en vrai. Hein. Mais surtout, si on regarde la map, il nous reste déjà plus que un niveau avant Bowser. Ah, vu comme c'est parti, surtout vu comme on trouve les choses. Ah, quelque chose me dit qu'on va pouvoir aller tataner Bowser aujourd'hui. Si t'es perdu des spikes. On m'en voudrait pas, mais moi je vous tatane la gueule. Hein. Alors par contre, une petite clochette, je dirais pas non. Merci. En tout cas, hey, au niveau décor, c'est magnifique. Oh, bah hop, le saut, c'est le tampon, c'est gratuit. Là, pareil, le challenge qui est mis devant moi. Je peux littéralement l'ignorer parce que je grimpe au mur. Ce power-up est tellement pas équilibré dans la méta. Parler de méta. Alors, par contre... On voudrait pas, mais moi, je préfère pouvoir faire les choses tranquillement à base de tranquillade. Dans, pom, 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 pom. Mais c'est regardez comment je retourne le truc en faisant n'importe quoi. Je rappelle que je n'ai pas joué à la version de base. Enfin, la version originale sur Wii U. Je découvre le jeu. Je fais simplement ce qui me paraît logique. Alors, il faut dire qu'une certaine exposition au power-up dans Mario Maker ou dans 64 Land, bah forcément, ça aide. Des fois qu'il saura pas bien ce truc comme... Non. Ça, à mon avis, c'est plus ce genre de truc Vislar qui ferait dans les mondes spéciaux. En fin de jeu. Hey, les gars! Après, faut dire, je spam un peu comme un énorme crétin. Oh, attends. Vas-y, je relève le défi. Parfait. Une nouvelle clochette, merci. Oh punaise! Attends, attends, attends. Là, il y a quelque chose. Je le sens bien. Et là, nous avons... une étoile! Mais c'est tellement prévisible! Enfin... Oh punaise, oh punaise, oh punaise! Ouais, ça aussi, c'était prévisible. Dans la série, Babou aurait mieux fait de fermer sa gueule! Non, mais c'est un juste retour de karma, en vrai, hein, c'est tout. C'est un juste retour de karma. Je me la pète parce que ce bonus me facilite tellement la tâche que forcément, quand je dois m'en passer, bah c'est pas que juste pas que je dois m'en passer, c'est quand je l'utilise mal, ben forcément, je l'ai un peu dans l'os.
Même là, il y avait un bonus caché. Bon, au moins, petit avantage de type à piquer des hannetons, c'est que j'ai déjà ce qu'il faut. Oh putain, mais même... Ok, je vois la troisième étoile. Bon. Bah, plus qu'à choper le drapeau doré. Ouais, bon, vu comme il est parti, on va aller taper Bowser après, hein. Y'a pas de raison qu'on n'aille pas le taper. Mais c'est vrai que cet environnement, je le trouve magnifique. Bon, pas encore un niveau fait à 100%. Bah, je sais pas, mais il me semble que le monde 4, c'est le milieu du jeu. Je devrais déjà commencer à galérer un peu plus que ça, je trouve. Bon, après, je me plains pas, on avance vite, parce que j'ai quand même aussi envie de découvrir... Oh, bah, le temps, le saut Spike, évidemment. J'ai quand même envie de découvrir Bowser's Fury, donc forcément... Si on peut le découvrir assez vite, moi, ça me dérange pas. 106. Donc, on va finir à 109 étoiles. Alors. Ok. Je vérifie juste qu'on a rien oublié. Non, on a rien oublié. Il demande combien d'étoiles pour rentrer? 50. Ça va, on en a le double. Alors avant ça, est-ce que je suis allé à la maison des Toads? Ça pourrait être pas mal pour récupérer un petit power-up supplémentaire. On n'y est pas allé. Je me dis bien, on avait bien fait de la garder pour la suite. Allez, je prends le gros cadeau. Je vais faire ça comme ça. Je vais prendre une fleur de feu et je vais me garder une clochette en bonus. Allez, direction le château de Bowser. Enfin, le niveau de Bowser. Magma Mia! Oh, c'est beau. Ce jeu de mots, mais... Magnifique. Magma Mia! C'est beau. C'est beau. Allez, on y va. Ouais, let's do this. Je suis tout à fait d'accord, mon cher Mario. Oh! Là, je sens qu'on va commencer à s'amuser. Oh, salut! Oh, par contre, tu vas quand même aller là-bas, toi. Hein. Ok. Il y a des doubles cerises. Attends. Peux faire un backflip? Ah, par contre, tu peux faire ça. Pas ici. Attends, là je vois une étoile là-bas. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas une double cerise quelque part? Oh, nice! Ok, un tuyau là-bas, attends. Ah, mais l'angle de caméra du cul là! On va essayer d'y aller, je vais tenter un truc. Est-ce que ça passe? Vas-y, je le tente. Ah, dommage. Dommage, il y a une idée. Bon, après, je dois vous avouer, je connais pas du tout la manière normale de faire. Hein. Attends, je suis en train de me dire. Je suis en train de me compliquer inutilement la vie. Tu veux pas le soulever, Mario? Mario! Il faut que tu soulèves cet ennemi. Voilà. Parce que bon, s'il ne bouge pas, on peut faire ça. C'est un petit peu plus simple que l'idée à la con que j'ai eue, hein. Non, parce que bon, voilà quoi. Dans la série, Babou se complique inutilement la vie, ça se pose là. Ah, attends. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. Parfait. Je sais pas si je préfère la... Oh, on va recouvrir. Si j'ai besoin de changer de power-up, je change de power-up. Hein. Ah ça, l'espèce de l'honneur avec les bulles de lave, c'est classe. Ok, on va aller par là. Il y a un truc qui m'intéresse ici.
À moi l'étoile, merci, bonsoir. Ça nous en fait deux. Salut les gars. Il y avait un autre par là. Et je vois déjà la troisième étoile. Attends. Je me demande un truc. Est-ce que... J'ai une idée à la con, mais... Putain, c'était ça. Génial. Génial, c'était ça. Vas-y, pète un peu les blocs pour moi, s'il te plaît. Allez, les... C'est ça, c'est les roulés craques qu'ils avaient appelé ça, je crois. Enfin, je connais les piques et croques, mais c'est pas pareil. Hop. Bon, il nous reste plus qu'à trouver. Attends. Où est le tampon? On est d'accord qu'il y a un tampon dans ce level. Ah, un saut, nom de Zeus. Bon, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et on partira à la recherche du tampon. Il y avait un truc là. Salut! C'est même pas Bowser! Ok, alors, je prédis qu'il faut prendre les petits et le balancer sur le gros. D'accord, ok. Tout va bien. Tout va bien, attends. Ah merde, ça marche pas. Bon, je vais prendre ça. Merde! Va falloir qu'on bouge. Je vais te garder sur moi, toi. Boum! On l'a eu? Ouais! Ok, donc c'était la fin du level, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé le saut. Mais j'ai ma petite idée sur où il peut se trouver. Attends. Alors, je pense pas qu'il nous aurait fait ça. Mais j'ai ma petite idée sur où il peut se trouver. Salut, bonjour madame. J'ai ma petite idée. Je le vois bien en fait dans le truc que j'ai repéré avec le bloc derrière le tuyau de fin. Ok, super. Donc comme ça, il nous reste juste le saut à les récupérer et le monde 4 est fait à 100%. Tabili. Franchement, je le redis, ce monde 4 était facile. Il y a eu zéro galère. Zéro. Je sais pas, peut-être moi qui m'attendais à un jeu plus facile, je sais pas. Bon après, je m'amuse bien sur le jeu, hein. Je suis pas à dire que le jeu est mauvais. Je dis juste que la difficulté pourrait être un cran plus haut. Allez ma grande, ouvrons mal le passage vers le monde 5, où nous n'irons que demain. Eh oui, nous n'irons là-bas que demain. Allez. Bah j'entre là-dedans, j'ai pas le son. Mais je pense savoir où il est. Je pense savoir. Et s'il n'y est pas, je vous avoue que... Bah, tant pis pour moi. Mais c'est petit. Voilà, tu me pètes ça, merci. Voilà, j'en ai déjà deux de récupérer, c'est pas mal. Voilà, super, merci. Ah mais là je suis en mode speedrun parce que le truc que je veux est à la fin. Et puis on pourra refaire le boss si jamais on le recroise. Ça nous servira de savoir lui casser la figure. Oh attends, je viens de voir un truc là. Là il y a un petit rebord. Putain il est là. Ah il était pas là où je le pensais. Il était pas là où je le pensais. Et du coup derrière là c'est quoi? C'est un champion au cas où. Je prends. Le rebord, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, le rebord. Allez, c'est parti. Ah merde, il a dégagé. Mais moi, je cours après, rien à foutre. Attends, c'est une pelote, Bien, vas-y, bouge, mon petit. Hein. Attends que tu m'envoies pas tes poches, je peux pas te faire de dégâts. Voilà, je vais garder l'autre. Il l'a dégagé, c'est ça? Bon, pas grave, il en reste plus qu'un. Oui! Voilà. Merci, bonsoir.
C'est Mario qui est en train de twerker. Il fait du headbang. Bon bah voilà le travail hein. Non mais il paraît que les mondes rigolos arrivent. Pour ça faut que j'arrive à rester comment on dit déjà? À rester neutre. Voilà, comme ça on assure. Et on va voir c'est quoi le saut qu'on récupère dans ce niveau. Allez, montre-moi. Un truc peut-être avec le rocher qu'on a affronté en guise de boss. Moi je vois bien ça. Yep. Je confirme. Bon, bah, on va faire la petite vérification, puis on va s'arrêter là. Mais il me semble que nous avons tout. Donc on vérifie. Hein. Monde 1, on est à fond. Monde 2, on est à fond. Monde 3, on est à fond. Monde 4, nous sommes à fond. Donc à ce stade-là du jeu, si vous voulez avoir tout récupéré, il vous faut 109 étoiles et 29 sauts. Je vais juste refaire une petite sauvegarde des familles, histoire d'être sûr. Et du coup, mesdames et messieurs les gens, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario 3D World. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser le petit pouce des familles en partant, ça fera super plaisir. N'oubliez pas non plus de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou de parler de la chaîne autour de vous si le cœur vous en dit tout ça. Vous le savez, la petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir. Et même piquer les fêtes avec les hashtags associés, vous connaissez le mic. N'oubliez pas non plus d'aller jeter à la chaîne de VOD ainsi qu'à la chaîne Twitch. Les liens se trouvent plus bas dans la description. Et en attendant le début du monde 5 avec je ne sais pas encore qui dès demain, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir.